le Canada qu'un souverain britannique régnant n'avait encore jamais vu. Le parsemé de villes anciennes et modernes. Doté d'une immense zone de prairies fertiles, imposant dans la majesté de ses rocheuses et par les forêts géantes de ses versants occidentaux, consolidé en une seule nation sur une largeur de 3000 milles par le ruban de ses chemins de fer et relié par le courant rapide de ses fleuves et rivières. Des unités de la marine canadienne descendent le Saint-Laurent pour accomplir leur émouvante mission. Elles auront l'honneur d'être les premières à souhaiter la bienvenue au roi et à la reine de Grande-Bretagne. Le Skeena et le Saguenay ont irradié la nouvelle aux millions de Canadiens qui attendent leur souverain. La flottille avec l'Empress of Australia transformée pour la circonstance en un magnifique yacht royal est sur le point de terminer sa mémorable traversée. Escortés des croiseurs britanniques Glasgow et Southampton, ils voguent ensemble vers l'ouest pour y jouer leur rôle historique. Son escorte augmentée, le vaisseau blanc poursuit sa route à toute vitesse dans les eaux canadiennes et les marins du Dominion saluent l'arrivée du roi George VI et de la reine Elizabeth. Voici les hôtes royaux attendus par le Canada tout entier. Depuis le point du jour, des foules de plus en plus compactes envahissent la terrasse Dufferin et les bords escarpés du fleuve à Québec dans l'attente des grands événements qui vont se dérouler sous leurs yeux. Le rouge, le bleu et l'or partent à la fois l'immeuble gothique et le gratte-ciel du XXe siècle. Un flamboiement de couleurs miroite sur la verdure des parcs. De l'enceinte historique, les canons de fer dominent le fleuve sans menacer d'y lancer la destruction. Ils tonneront plutôt vers le resplendissant Empress, le joyeux accueil de Québec, la vieille capitale du Canada français. À Lens-au-Foulon, l'instant solennel approche. Leur Majesté, le roi et la reine de Grande-Bretagne et du Canada. Très honorable W.L. Mackenzie King, Premier ministre du Canada, et le très honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, sont les premiers à monter à bord. Le 22e régiment royal attend que Sa Majesté le Roi le passe en revue. Ce sont tous de loyaux sujets pour tunique écarlate anglaise, mais parlant le français. La visite royale commence. La ville de Québec, où cette fête a attiré des milliers de personnes, est heureuse de faire à ses souverains un très chaleureux accueil. Le cortège royal monte la côte Gilmore et traverse des lieux fortement empreints d'un passé légendaire pour se rendre jusqu'à l'édifice du Parlement. Ici, la vieille province française accueille ses souverains à sa bonne manière. Entrée dans la chambre du Conseil législatif drapée de rouge et d'or, les monarques s'avancent vers le trône. L'assistance conserve une solennelle déférence malgré son désir de faire retentir ses applaudissements. L'honorable Maurice Duplessis parle pour nous tous. Daigne le ciel, les conserver longtemps de la respectueuse affection de nos nombreux et riches fidèles, et bénir les résidents que nous formons de tout cœur pour leur bonheur ainsi que pour celui de leur altesse royale, des princesses Elisabeth et Margaret Cole, dont le charme expie a depuis longtemps conquis tous les cœurs et à qui nous adressons respectueusement le baiser du Québec. God save our gracious King and Queen. Inscrit, le texte de l'adresse du Premier ministre est remis au roi. Un prince royal s'entretient avec un prince de l'Église. Le cardinal Villeneuve, archevêque de Québec, serre chaleureusement la main que lui tend le souverain.
château Frontenac, le Premier ministre salue leur majesté au cours du déjeuner donné en leur honneur par le gouvernement canadien. May it please your majesty, on behalf of the Canadian people, I respectfully extend to your majesty and to her majesty the Queen a royal welcome to your dominion of Canada. We are deeply conscious of the signal honor of being the first of the overseas nations of the Commonwealth to be visited by the reigning sovereign, and of having the high privilege of welcoming in person our King and Queen. Le roi répond. Mr. Prime Minister, I'm deeply moved by your words of welcome to the Queen and myself on behalf of the Canadian people. The Queen and I are looking forward with anticipation to two grateful expressions to seeing all we possibly can of this vast country. And particularly do we welcome of the opportunity of greeting the men and women who are its strength and stay, and to see something of the younger generation so soon to become the guardians of its future. Je veux dire aussi, sénateur d'Enduron, apporter mon tribut à l'ancienne province de Québec et à cette belle cité, dont la langue même de ceux qui ont apporté les premiers la civilisation sur les rives du Saint-Laurent. Le cortège royal apparaît de nouveau par un temps ensoleillé au milieu d'une foule dense et vivante. Québec ne se contient plus. La ville tout entière acclame les monarques en une ovation des plus enthousiastes. Aux fenêtres entourées de drapeaux paraissent des visages ravis. Le parcours se déroule dans des rues bordées de maisons anciennes. Malgré l'enthousiasme du public, l'ordre est assuré d'une manière impeccable. Des militaires, des agents, des anciens combattants, des corps de cadets et des scouts sont de garde, mais jouent un rôle plutôt décoratif. Les petites rues sont désertes et le long de ses principales artères, Québec exprime avec transport la profonde affection que lui inspire leur majesté. La haute et la basse ville sont partout empreintes du souvenir touchant. Québec n'a pas l'aspect d'une ville jeune. Les années lui ont apporté un charme tout fait de douceur. Sa population entend encore la voix du passé. Le drapeau flotte aujourd'hui sur les plaines d'Abraham, où la foule s'assemble par milliers pour le couronnement d'une fête déjà féconde en émotions. Le parc national des champs de bataille, autrefois théâtre de combats et d'amers conflits, contient une population qui trompe les heures d'attente en chantant en français les louanges de sa terre natale et de ses souverains. Les jeunes gardes sont mis à l'épreuve par les remous de la foule dont l'enthousiasme grandit à l'approche de la voiture royale. Aujourd'hui se déroule, sur les plaines d'Abraham, le dernier acte d'un drame héroïque, commencé en ce lieu même, il y a 170 ans. L'apparition des souverains en personne suscite une profonde émotion. Le Canada est uni dans son hommage à la couronne.
personne du roi devient en ce moment le symbole du Canada nouveau, nation libre dans un grand Commonwealth. Trois petites filles vêtues de blanc apportent une preuve tangible de leur affection, des fleurs à Sa Majesté la Reine. Il leur faut évidemment observer toutes les règles du protocole apprises durant de longues heures de répétition. Pour remplir leur importante mission, les petites s'avancent avec une dignité qui comporte quelques petites difficultés. La reine quitte maintenant l'estrade et les merveilles de ce grand jour vont prendre fin. Québec a remarqué la grâce toute démocratique du roi et de la reine. Il a été conquis. Pendant que le soleil se glisse derrière les Laurentides, la nuit tombe et le premier jour du voyage royal au Canada est terminé. Mille personnes se pressent sur la place de la gare à Trois-Rivières pour assister au premier arrêt du voyage royal par chemin de fer à travers le vaste continent. Le convoi bleu et argent, emmenant leur majesté, n'arrêtera que 15 minutes. Mais la population de la ville et de la région est accourue pour ce quart d'heure solennel. L'arrivée du train est le signal de bruyantes acclamations que peut à peine couvrir le bruit du canon tirant une salve royale. Souriants et gracieux, les souverains apparaissent à la foule sur une estrade spéciale égayée de décorations. C'est ici leur seul arrêt officiel au cours de leur voyage le long de la vallée du Saint-Laurent, berceau de l'histoire du Canada. Leur présence ajoute un autre épisode à la longue histoire d'explorateurs, de pionniers, de soldats et de marins qui ont héroïquement combattu pour l'Amérique du Nord. Le convoi royal, salué d'acclamations répétées, s'éloigne en route vers Montréal. Une puissante locomotive amène doucement le convoi à la gare Jean Talon de Montréal, où des milliers de gens éclatent en applaudissements prolongés à la vue de leur majesté. Lorsque le roi et la reine descendent du wagon, le maire Camillia Hood leur souhaite la bienvenue. Les unités militaires de la journée ont été choisies à propos. La reine est colonel en chef des Black Watch et le roi colonel en chef des Hussards, qui fournissent une brillante escorte pour la promenade royale à travers la ville. Tous les yeux sont rivés sur les occupants de la superbe voiture qui arbore l'étendard royal. La population de la métropole s'est doublée en une nuit et 2 millions de personnes ou plus se massent le long des rues anciennes et nouvelles pour voir et applaudir les premiers monarques britanniques à pénétrer dans l'île de Montréal. Le parcours dans la ville devient un véritable chemin du roi de 23 000 de longueur. 23 000 d'une foule enthousiaste, comme ce groupe de 50 000 jeunes de descendance française massés dans le Stadium de Montréal. Lentement, le cortège royal contourne le terrain de manière que chacun puisse voir et saluer le roi et la reine.
Un immense drapeau Union Jack ondule sur les gradins, drapeau vivant, composé d'une vibrante jeunesse. C'est un grand jour pour elle. Pour plusieurs, c'est un événement dont ils ne verront pas la répétition. Le cortège royal défile par des rues qui ont défié l'usure des siècles, des rues qui ont jadis résonné des cris de conquête et de défaite. La voiture royale, précédant une longue procession, arrive à l'hôtel de ville. Les foules qui se referment derrière le roi et la reine retardent la voiture du maire. Mais la voie se dégage et son honneur arrive pour monter avec les monarques le grand escalier qui conduit à l'hôtel de ville. Galamment, le maire Hood offre son bras à la reine et c'est là que leur majesté, dans une impressionnante cérémonie, recevront les souhaits officiels de bienvenue et apposeront leur signature dans le livre d'or de Montréal. Un fait historique se déroule devant l'église Notre-Dame sur la place d'Armes. Les clochers, symbole de paix, pointent vers le ciel et la foule attend patiemment afin de célébrer ce jour trois fois solennel. C'est aujourd'hui la fête de l'Ascension et le 297e anniversaire de la fondation de la ville. Le roi défile au bruit des vivats et des applaudissements de la multitude massée en ce lieu historique. L'unité des hussards, motorisée, modernisée, escorte leur majesté sur des scènes où les défendeurs de la ville se réunissaient autrefois lorsque surgissait le danger. Aujourd'hui, l'étendard royal flotte au mât sur la cime du Mont-Royal, au pied duquel s'étend Montréal, la métropole du Canada. Le public n'est pas admis à cette partie du programme, dont l'objet est de permettre à leur majesté de contempler le spectacle grandiose de la grande ville moderne s'étalant à leurs pieds. Pour marquer cet événement historique, un monument est dévoilé. C'est une pierre carrée, rehaussée d'une plaquette de bronze, rappelant la visite des souverains à la première ville du Canada. Vers la fin du jour, 100 000 personnes sur le square Dominion, au cœur de la métropole, viennent voir et acclamer leur majesté lors de leur arrivée à l'hôtel Windsor pour assister au banquet offert en leur honneur par la ville de Montréal. À l'intérieur de l'édifice, un millier de citoyens les plus marquants rendent hommage au monarque. Mais pour la grande foule massée à l'extérieur, le moment important vient quand leur majesté paraissent au balcon à la vue de la vaste multitude qui se précipite de l'avant pour manifester sa bienvenue à grands cris devenus assourdissants. Toute la matinée sur la capitale du Canada, mais comme le train royal entre en gare à Island Park Drive, une éclaircie se fait dans les nuages. Avec les rayons du soleil, on dirait que la nature, à l'instar des citoyens d'Ottawa, tient à manifester son accueil après de longues heures d'attente. Maintenant, de loyaux sujets et un radio-soleil s'unissent pour faire de l'arrivée de leur majesté un événement historique. Le roi et la reine prennent place dans le carrosse qui les conduira en grande pompe au milieu d'une foule immense. Plus de 250 000 personnes sont réunies aux abords de la gare et longeant un parcours de 5 000 jusqu'à l'hôtel du gouvernement, résidence du gouverneur général du Canada. Viva
Hurrahs et acclamations saluent le cortège royal traversant le cœur de la ville, escorté des Fourth Princess Louise de Gunga, voyant en cette circonstance son affection envers les souverains de l'Empire qui s'étend aux quatre coins du monde. Les ovations maintiennent leur diapason tout le long du parcours, même jusqu'aux portes de l'hôtel du gouvernement. La capitale du Canada est le théâtre d'un événement unique dans les annales du Commonwealth britannique des nations. Le jour même de leur arrivée, le roi et la reine se rendent aux édifices parlementaires pour donner la sanction royale à la législation adoptée par le Parlement du Dominion. Aujourd'hui, la ville d'Ottawa est la capitale de l'Empire. Vivons en ce moment une minute historique, car c'est la première fois depuis 1854 qu'un souverain anglais donne en personne la sanction royale à des mesures législatives en dehors du Parlement britannique. Au Sénat, le roi du Canada, en présence des représentants de toutes les parties du Dominion, sanctionne les lois qui lui sont présentées. Cette cérémonie acquiert encore une plus grande portée, vu qu'au nombre des lois approuvées par Sa Majesté se trouve le nouvel accord commercial entre le Canada et ses bons voisins du Sud, les États-Unis d'Amérique. Le Premier ministre, à titre de principal conseiller du roi pour les affaires d'État, prend congé des monarques sur les marches du Parlement. L'honorable Raoul Dandurand, leader du gouvernement au Sénat, le rejoint. Au moment où leur majesté quitte les chambres, la foule fait un retour vers le passé et pense à MacDonald, à Laurier et à tous ceux qui ont façonné sur ce sol canadien une nation démocratique, jouissant de toutes les libertés. By special proclamation, the King's birthday is being observed on May 20th. In honor of the occasion, the historic ceremony of the Trooping of the Colour is to take place. La colline du Parlement est pavoisée des plus brillantes couleurs, et tout est en état lorsque le roi arrive, accompagné du Premier ministre, du ministre de la Défense nationale et du chef de l'état-major général. La reine est aussi présente. D'une fenêtre de l'édifice de l'Est, elle reçoit les acclamations de la foule. La longue théorie de soldats aux tuniques écarlates adresse le salut royal et la cérémonie commence dans comme l'escorte du drapeau quitte le flanc droit, précédé de la musique. Les régiments qui sont à l'honneur aujourd'hui sont les gardes à pied du gouverneur général d'Ottawa et les Canadian Grenadier Guards de Montréal. Ces deux régiments composent la brigade des gardes canadiennes de Sa Majesté. Passé la tribune royale, l'escorte se rend jusqu'au drapeau qu'elle va maintenant porter. Les évolutions qui suivent sont de la plus grande précision militaire, ce qui enchante la masse citoyenne accourue sur la colline du Parlement pour jouir du spectacle. Le drapeau est porté lentement et respectueusement au milieu des soldats qui se tiennent au garde-à-vous. Le salut au drapeau est une cérémonie séculaire rappelant une tradition où se reflète l'esprit des armes anglaises portées sur tous les points du globe.
Les appareils photographiques placés à des endroits avantageux enregistrent cette scène mémorable dont les détails les plus impressionnants échappent à la plupart de ceux qui sont présents. À la fin de cette partie de la cérémonie, le roi, accompagné du colonel commandant la brigade des gardes canadiennes, quitte la tribune royale pour se rapprocher des troupes. Et voilà que commence le pittoresque défilé au pas ralenti. Exécute cette difficile évolution avec un ensemble parfait. Promontoire qui domine la rivière Ottawa va servir de théâtre à une cérémonie que doit présider la reine. Sa Majesté doit poser en présence d'un groupe distingué de juristes canadiens la pierre angulaire du nouvel édifice de la Cour suprême du Canada. Le Premier ministre invite la reine à poser la première pierre. Il présente à Sa Majesté une truelle en or fabriquée spécialement pour la circonstance. Des ouvriers enlèvent Union Jack de l'énorme bloc de granit placé dans la charpente d'acier de la structure. Sa Majesté s'avance maintenant pour étendre le mortier déposé sous la pierre angulaire, mortier qui maintiendra le bloc en place pour des générations à venir et constituera le signe sensible de ce message historique. Lentement et délicatement, la chaîne glisse dans ses poulies et la pierre géante vient se placer avec une majesté digne de cette minute inoubliable. La reine se déclare heureuse de poser cette première pierre. La cérémonie officielle a pris fin et la reine remet la truelle au Premier ministre qui la fera garder en souvenir. Mais nous sommes arrivés au point culminant de la journée. Sa Majesté doit adresser la parole, son premier discours depuis qu'elle a mis le pied en terre canadienne. Le silence se fait parmi les spectateurs, silence rempli d'impatience. It gives me great pleasure to be here today to lay the foundation stone of a building devoted to the administration of justice in this great dominion. Perhaps it is not inappropriate that this task should be performed by a woman. For a woman's position in civilized society has depended upon the growth of law. Voir pour deux grandes races, avec leur législation, leur croyance et leur tradition différentes, tenir de plus en plus étroitement à l'imitation de l'Angleterre et de l'Écosse, par les liens de l'affection, du respect et d'un idéal commun. Tel est mon désir le plus cher. Le tonnerre d'applaudissements redouble d'intensité lorsqu'il est manifeste que Sa Majesté a l'intention de recevoir les maîtres ouvriers qui ont ajouté une note de couleur locale au tableau. George Lyne, maître artisan d'Ottawa, est le premier à serrer la main de la reine et à recevoir ses félicitations. Maintenant, la reine se tourne vers George Reed de Toronto et lui fait remarquer que son séjour de 34 ans au Canada n'a pas réussi à le faire disparaître les traces de son accent écossais. Le représentant de Montréal est un maître maçon, Jean-Baptiste Thier, qui se montre enchanté de l'intérêt que la reine porte à son art.
Encore une fois, la famille royale a conquis le cœur de la population par sa grâce et son charme, alliés à une dignité qui ne sévit jamais. Le dévoilement du monument national aux morts de la guerre constitue l'un des événements les plus émouvants. C'est ici, princes et sujets, soldats et civils, s'unissent dans un même souvenir. Foule énorme, estimée à plus de 100 000 personnes, y compris 12 000 anciens combattants, venus de toutes les parties du Canada. Cette foule s'entasse sur la place Connaught et occupe tous les points avantageux autour du monument en ce jour si cher aux anciens soldats et aux Canadiens de partout qui ont servi leur pays. C'est le jour consacré à la mémoire de ceux qui ont fait le suprême sacrifice pour la défense de la liberté. Accompagné du major Milton Gregg, leur commandant, Sa Majesté passe en revue une garde d'honneur composée d'anciens combattants de la Grande Guerre, représentant toutes les corps de cette armée de 600 000 hommes qui quittèrent leur foyer pour aller se jeter dans la mêlée à la défense d'un idéal. Le groupe royal gravit les degrés pour se rendre jusqu'à l'enceinte d'où le roi dévoilera l'imposant monument. Au-dessus de la place, une ombre semble planer. L'ombre du soldat inconnu. L'immense foule se fait silencieuse au moment où le roi donne le signal du dévoilement. Et puis la multitude rend un hommage silencieux aux morts de la Grande Guerre. Your King, I unveil today in your capital city the noble memorial to Canada's spirit and sacrifice in the Great War. The memorial speaks to the world of Canada's heart. Its symbolism has been beautifully adapted to this great end. It has been well named the response. It has a message for all generations and for all countries. The message which calls forth Canada's response. Not by chance do the crowning figures of peace and freedom appear side by side. Peace and freedom cannot long be separated. It is well that we have in one of the world capitals a visible reminder of so great a truth. For without freedom, there can be no enduring peace, and without peace, no enduring freedom. Gravement, le roi dépose une couronne en son nom et au nom de la reine, exprimant par ce geste la gratitude du Commonwealth tout entier envers les hommes et les femmes du Canada qui ont fait le sacrifice de leur vie. La cérémonie de l'inauguration terminée, Leur Majesté sortent de l'enceinte réservée afin d'aller causer avec les anciens combattants et les anciennes infirmières de guerre, pour qui les événements de la journée ont une signification toute particulière. Les anciens combattants ont toujours été chers au cœur du roi George, qui durant la Grande Guerre remplit lui-même les fonctions d'officier dans la flotte anglaise
et prit part à la bataille navale de Jutland à bord du navire de guerre le Collingwood. Aujourd'hui, réunis autour de lui se trouvent 12 000 de ses compagnons d'armes, hommes et femmes ayant servi sur les champs de bataille d'Europe, du Proche-Orient et de la Russie, dans les brumes de la mer du Nord, de l'Atlantique ou du Pacifique, les brouillards de France et de Flandre. Jamais auparavant, un roi et une reine n'avaient circulé ainsi sans escorte parmi une telle multitude. Anciens combattants et curieux aussi brisent les cordons établis par les soldats et la police. Ils se précipitent afin de saluer leur souverain en personne, en leur qualité de concitoyens. Ils bouleversent les plans arrêtés d'avance. Le roi et la reine sont engloutis dans une manifestation d'affection et de fidélité comme on en a rarement vu. Un hommage spontané, venu du cœur, un moment d'enthousiasme collectif et individuel, pour ainsi dire, étranger aux traditions britanniques de calme et de pondération. La foule immense se trouve soudain imbue de l'esprit du monument à peine dévoilé, et comme le roi vient de le dire, l'âme même de la nation se révèle ici. Capitale de l'Ontario et de 6000 milles à travers le Canada. La scène n'est plus la même dans la capitale provinciale que dans la capitale fédérale, mais la densité des foules ne change pas. À l'hôtel de ville, près de 100 000 personnes se voient récompensées d'une longue attente quand arrive le couple royal reçu Ralph Day. Il est avancé, mais beaucoup de ces gens sont ici depuis de plusieurs minutes et même avant. Le silence dans la foule. Le roi Salinotaf élevé à la mémoire des soldats de Toronto. Et la ville éclate d'une fervente loyauté en la plus grande manifestation de toute son histoire. L'hôtel de ville est gaiement décoré pour la cérémonie civique. Les personnalités sont venues de près et de loin afin de rendre hommage en personne au monarque, mais la foule qui remplit la place exprime une vénération tout aussi profonde. La cérémonie se termine, trop tôt au gré des spectateurs. N'a accordé qu'une journée à la ville reine et le programme est chargé. Le couple royal se hâte donc, laissant derrière lui une foule dont l'enthousiasme ne s'amortit pas en dépit du temps de détruire l'harmonie de... Tout le long de la route, les foules crient leur bienvenue au roi et à la charmante reine. La procession royale quitte les rues encombrées afin de pénétrer sur les terrains du Parlement provincial, où leurs majestés recevront l'adresse de bienvenue de la population ontarienne. Premier ministre de l'Ontario, M. M.F. Hepburn et Mme Hepburn accueillent leur majesté et les accompagnent jusqu'à la grande salle du Conseil législatif. Sur l'Université de Toronto s'abat une bruine, mais il semble que la présence de la reine répand partout la lumière. Elle est venue afin de présenter un drapeau à son régiment, le Toronto Scottish, allié au fameux London Scottish, dont sa majesté, la reine, tenait l'enchaîne. Le son aigu des cornemuses joue des airs écossais pour bien marquer le caractère de l'événement. Le commandant s'avançant,
salue Sa Majesté, qui, accompagné du brigadier général Alexander, quitte sa place afin de les accueillir. Lasse ensuite le régiment en revue, s'arrêtant de temps à autre pour causer avec quelques anciens combattants aperçus dans les rangs. Autour des tambours empilés sur lesquels on a placé le nouveau drapeau, le bataillon forme le carré en vue de la cérémonie de la bénédiction et la présentation qui doit suivre. Le major doyen du bataillon retire le drapeau de son étui, puis le remet à la reine, qui s'avance vers le doyen des lieutenants, agenouillé pour le recevoir. De même, Sa Majesté reçoit le nouvel étendard régimentaire des mains d'un autre officier supérieur et le présente. Puis, ainsi que le veut la tradition, ont lieu les adieux au vieux drapeau. La cérémonie se termine par un autre salut à Sa Majesté. La reine part, mais son allocution restera jamais gravée dans la mémoire des membres du régiment. Je vous laisse ce drapeau, convaincu que vous saurez en défendre l'honneur. J'ai tout lieu de croire qu'il demeurera le symbole de la loyauté et de l'attachement au devoir qui ont signalé votre régiment durant la dernière guerre, le symbole de votre dévouement à votre patrie, à votre roi. À l'hôpital de la rue Christie, une scène inoubliable attend les souverains. 600 anciens combattants invalidés au cours de la guerre les reçoivent dans leurs chaises roulantes ou leur lit d'hôpital, oubliant l'inactivité forcée où ils vivent depuis de longues et ennuyeuses années. Aujourd'hui, les blessés trouvent de nouveaux amis dans le couple royal et une nouvelle énergie à contempler le dévouement au devoir que le roi et la reine personnifient. Aujourd'hui a lieu le Derby du Canada. 40 000 personnes ont envahi la fameuse piste de Woodbine à Toronto afin d'assister à la plus célèbre course de chevaux du Dominion, le King's Plate. Le ciel est couvert, mais la gaieté règne partout. Un spectacle aux couleurs variées réjouit le cœur, et alors que le roi et la reine arrivent en landau afin d'assister à l'événement. Pour une fois, la King's Plate devient la course la plus hautement honorée. L'occasion est doublement historique, puisque c'est la première fois qu'un monarque régnant assiste à la plus vieille course annuelle de chevaux de l'Amérique du Nord. Les chevaux se dirigent vers la barrière, 13 pur sang prêts à partir. Attention, les voilà partis. Les sabots de 13 pur sang s'envolent, frappent la piste détrempée. Les jockeys les pressent avec ardeur. Artworth prend bientôt la tête.
Au détour, il maintient son avantage et s'avance ferme. Hotchworth est toujours en tête, les sabots battent la piste, dans la ligne droite, courant comme le vrai champion qu'il est. Les gens se lèvent d'un bond quand les 13 pur sang passent les tours, reprennent la ligne droite. C'est le triomphe d'Archworth, le vaillant cheval à belle allure, dépassant ses rivaux de 10 longueurs, il franchit la ligne. La course est terminée, mais il reste à leur majesté un dernier devoir fort agréable à remplir. Accompagné du président de l'Ontario Jockey Club, M. A.E. Diamond, elle monte à la tribune du juge, suivie par le regard de tous les spectateurs. Là, M. George McCullough, le propriétaire du pur sang, vainqueur Archworth, reçoit une coupe d'or et 50 guinées commémoratives de la main du roi. Winnipeg, portique des prairies, capitale du Manitoba et métropole de notre vaste zone de blé, est la première ville à souhaiter la bienvenue à leur majesté. Aujourd'hui, 24 mai, anniversaire de naissance de la reine Victoria, en mettant pied dans la ville, son arrière-petit-fils est accueilli par son honneur, M. Tupper, le lieutenant-gouverneur du Manitoba, et par l'honorable John Bracken, le premier ministre de la province. Leur Majesté quitte la gare sous la pluie. Malgré ce déluge, le roi passe en revue la garde d'honneur, formée d'une compagnie des Winnipeg Grenadiers. La pluie ne décourage personne, et moins que quiconque le couple royal qui parcourt les rues de la ville dans une voiture découverte afin d'être vu de tous. La foule borde la rue Main et acclame leur majesté avec un enthousiasme que la température désagréable ne saurait refroidir. Parvenu au cœur du quartier des affaires, le cortège royal s'engage dans l'avenue du Portage, l'une des artères les plus larges et les plus animées du Canada. Au cours du trajet, milliers de personnes attendent avec émotion le mot saluer leur roi et leur reine. Le cortège royal entre dans le Memorial Boulevard et contourne bientôt l'imposant édifice. Au moment où le roi et la reine gravissent les degrés du palais accompagnés du premier ministre et de Mme Bracken, la pluie ralentit, découragée de ne pouvoir impressionner personne. Sur le péristyle nord, où l'on a dressé une estrade, leur majesté se montre à la multitude qui se presse autour de l'édifice. Le premier ministre Bracken souhaite la bienvenue au souverain. Most gracious sovereign, on this happy occasion, it is the desire of the people of Manitoba that I extend to you and to Her Majesty on their behalf
on this your first visit to our province, the assurance of their deepest loyalty and respect. We trust that your brief stay in our midst will be an enjoyable one, and we hope that it may long be given to you both to serve as sovereign, king and queen, the sisterhood of British nations, of which we in Manitoba are proud to be a part. Regina, qui se dresse fièrement dans l'immensité de la prairie, est la deuxième ville de l'Ouest qui salue le roi et la reine. Au palais législatif, le premier ministre de la Saskatchewan, l'honorable W.J. Patterson, leur souhaite la bienvenue au nom de la population de la province. Sovereign, we, the members of the Legislature of Saskatchewan, Canada, speaking on behalf of all Your Majesty's loyal subjects in this province, on this occasion of your first visit, desire to renew the assurance of our loyalty and support. We have not failed to recognize that conditions since Your Majesty's accession to the throne have demanded constant application of the highest qualities of courage, leadership, and faith in our democratic institutions. We rejoice in the fact that notwithstanding these conditions, there is an ever-increasing appreciation of Your Majesty's inspiring example of devotion to duty and of unselfish labor in the interests of your peoples everywhere. Calgary, niché dans les contreforts des Rocheuses, accueille ses visiteurs royaux avec toute la proverbiale hospitalité de l'Ouest. À la vue de la locomotive resplendissante au soleil, les cœurs battent plus vite. À la descente du train, leurs majestés sont accueillies par le maire de Calgary et Madame Davidson. Dans ce décor ultramoderne, hier encore si primitif, on n'a que faire des cérémonies. Engendré par la voie ferrée, grandi au milieu des moissons dorées, Calgary arbore avec une grâce fière, une prospérité d'où est absent jusqu'au souvenir des luttes de naguère. Au cours de leur mémorable voyage en terre canadienne, leurs majestés ont franchi une distance de 2000 milles et ont reçu les hommages de divers éléments ethniques. Dans le panorama humain qui s'est déroulé devant elles, langues, croyances et couleurs même varient. Mais les sentiments d'affection et de loyauté sont partout les mêmes. Or, voici que les Indiens au visage d'ordinaire impassible ont trouvé une façon tout à fait originale de saluer leur souverain. Nulle part ailleurs, leur roi et la reine ne pourraient trouver autant de cordialité dans l'accueil. Dominant tous les bruits de cette fête splendide, les tambours battent en cadence, à l'unisson des cœurs vibrants sous la tenue des grands jours. Presque à 1000 d'altitude dans les Rocheuses, Banff offre à leur majesté, avec ses hommages, quelques heures de délassement. L'hôtel Banff Springs, qui s'élève au centre d'un paysage extrêmement tourmenté, devient pour leur majesté l'asile de la paix.
À leurs pieds, la rivière Beau se fraye un chemin dans les gorges profondes. Et des glaciers voisins descendent une brise rafraîchissante. Pendant tout un jour, les affaires d'État sont mises de côté. Le Premier ministre s'entretient familièrement avec les souverains. Les photographes, comme des cousins pauvres, sont toujours là. Et bien que ce soit jour de repos pour leur majesté, elles ont consenti, avec leur bonne grâce habituelle, à poser pour le photographe officiel du voyage royal. Dans la splendeur majestueuse des montagnes rocheuses, le long train serpente et s'approche du terme de son trajet vers l'ouest, à travers le Great Divide, le col du Cheval qui rue et le canyon du Fraser. Vancouver, terme du voyage et portail du Canada sur le Pacifique. Le continent et les marins ont parcouru le Canada d'un océan à l'autre. Ici, sur le littoral du Pacifique, ce sont les Seaforth Islanders qui forment la garde d'honneur. Le roi en uniforme d'officier de l'aviation royale reçoit le salut. Le maire de Vancouver, auprès de la reine, suit la cérémonie des yeux. Et avec qui chaque jour d'attente a été bien long. C'est à l'hôtel de ville que la bienvenue officielle de Vancouver sera souhaitée à leur majesté. Le roi et la reine sont reçus par le maire Lyle Telfer. Précédé de la masse d'armes offerte à Vancouver par la ville de Londres, il pénètre dans l'édifice. Un chœur de 2000 voix est là, entouré de la foule immense qui s'est massée devant l'esplanade de l'hôtel de ville. Aujourd'hui, Vancouver est en fête. Des montagnes et des centres miniers, des camps forestiers et des villages de pêche, hommes et femmes sont accourus par milliers pour déposer leurs hommages aux pieds de leur souverain. Leur longue attente est récompensée car le roi et la reine sont au milieu d'eux. On se dirige ensuite vers Vancouver Ouest. Après le pont du premier goulet des pistes et pylônes semblables à des toiles d'araignée, vient le célèbre parc Stanley, dont la visite est inscrite au programme du couple royal. Mais les minutes volent et la dernière escale à l'ouest attend les autres royaumes. On largue les amarres et le transbordeur royal glisse lentement hors de la rade de Vancouver. Laissant derrière lui les innombrables embarcations qui forment comme une escorte d'honneur, le vapeur file vers l'ouest. En face, c'est la route maritime conduisant à l'extrême-orient. De l'Empire, c'est l'île de Vancouver. Victoria, capitale de la Colombie-Britannique, ville fleurie et ensoleillée, attend ses visiteurs royaux.
Au palais législatif, une réception civique attend le roi et la reine. La garde d'honneur est formée du fameux 5e, la brigade côtière de la Colombie-Britannique. Le roi ouvre la cérémonie en passant en revue les troupes au casque blanc. C'est l'impressionnante arrivée à l'avant-poste, le plus occidental, de l'aîné des Dominions. Et le premier ministre de la Colombie-Britannique, M. Patullo, lit une adresse. May it please Your Majesty, it is my humble privilege, on behalf of the government and the people of British Columbia, to express to Your Majesty the pride and pleasure with which we acclaim Your Majesty's presence amongst us. And we welcome Your Majesty to this far western province of the Dominion of Canada with heartfelt devotion and loyalty. It is our heartfelt hope that the memories of this visit of Your Majesty's to our province of British Columbia may, in the years to come, always remain filled with present recollections of the spontaneous demonstration of the joy, the loyalty, and the affection so clearly manifest in the hearts of our people. We pray that the Almighty in His providence will long spare Your Majesty to reign over us, and will bless Your Majesties with health, with happiness, and with peace. L'adresse reliée en maroquin bleu est remise au roi, et la petite Anne Collison, petite fille du Premier ministre, présente à la reine une magnifique gerbe de fleurs. Témoignage de respect et d'admiration de la Colombie-Britannique. Parc Beacon Hill est le théâtre d'une cérémonie émouvante. C'est la première fois qu'un souverain régnant procède en personne hors de la Grande-Bretagne à la remise d'un drapeau à une région navale. Marins, militaires et civils assistent en grand nombre à cette scène. Par cet après-midi ensoleillé, les spectateurs vivent un moment historique lorsque le drapeau reçoit la bénédiction de l'Église. En présence d'une foule recueillie d'un détachement de la Marine royale canadienne, région navale du Pacifique, le roi reçoit le pavillon national de la Marine de guerre, orné au centre de ses propres initiales. Le commandeur J.C. Hibbard, qui commande le peloton, reçoit le drapeau à genoux des mains du roi. On en prendra un soin jaloux, et lorsqu'on l'arborera, on lui rendra les honneurs réservés à la personne même du souverain. Régions navales seulement sont les dépositaires du drapeau du roi, deux de la Marine royale canadienne à Halifax et Esquimalt, deux de la Marine royale australienne et une de la division néo-zélandaise. Le vapeur Prince Robert est prêt à démarrer. La visite royale à Victoria prend fin officiellement au moment où les souverains s'embarquent. Pendant deux jours, la ville de Victoria a été l'hôte du souverain de l'Empire et de la Reine. La foule, profondément émue, s'est empressée de tous les coins disponibles du quai pour leur faire des adieux. Sur le pont du yacht royal, le roi George et la reine Elizabeth jettent un dernier regard
sur l'île de Vancouver. Première étape du retour vers l'Est. De nouveau, ce sera l'immensité du Canada, puis la visite aux États-Unis et à l'Angleterre par l'Atlantique. À tribord et à bâbord, les destroyers de la marine canadienne sont là. Dans l'air, une escadrille d'avions de combat surveille la plaine liquide. Et le Prince Robert, traversant à toute vitesse le détroit de Georgia, ramène ses hôtes royaux à Vancouver. La tournée des souverains entre dans une nouvelle phase. Traversant à nouveau les montagnes, le train roule à toute vitesse vers l'est. Il s'arrête quelques instants au mont Robson pour permettre aux voyageurs de contempler le pic le plus élevé des Rocheuses canadiennes. Les gens des environs signalent aux visiteurs les merveilles de cette montagne. Le train repart et il arrive au parc national Jasper où l'on a ménagé au couple royal une journée de repos dans les montagnes. La visite royale doit durer un mois d'une activité incessante. Que deux jours de repos aient été jugés suffisants pour sauvegarder la santé de leur majesté dans cette série de fêtes, voilà qui dénote de leur part beaucoup d'endurance physique. Pour un de ces jours de repos, on a choisi Jasper Park Lodge, où les pics couronnés de neige se reflètent dans les eaux du lac Beauvais. Le 2 juin, le train royal arrive à Edmonton, capitale de l'Alberta, l'une des provinces canadiennes qui produisent le plus de blé. Ici se trouvent réunis par milliers des cultivateurs venus de fort loin, des gens employés dans les exploitations pétrolières de la vallée Turner, des éleveurs des ranchs du sud et même des colons de la lointaine région de la rivière de la Paix. L'honorable William Aberhart monte les marches avec leur majesté pour leur souhaiter ensuite la bienvenue. To the King's most excellent majesty, may it please your majesty, the government of the province of Alberta, on behalf of your loyal people, humbly pray, be pleased Lord, of the sincere and enduring loyalty of the people of this province, to your royal throne and to your most excellent person. L'adresse écrite sur de l'écorce de bouleau est présentée au roi. Survient Cendrillon, dans la personne de Marie Stacy, petite orpheline de 9 ans, qu'un radieux sourire de la reine comble de bonheur. Un groupe d'anciens combattants de l'Alberta se tient près du cénotaphe où l'on déposera tout à l'heure une couronne de la part du roi. L'arrivée de leur majesté à l'hôpital de l'université remplit de joie les soldats invalides qui, installés sur la pelouse, acclament les visiteurs. Leur roi soldat. La reine a un sourire pour chaque palade, tandis que le roi, lui, serre la main aux vétérans blessés. Edmonton se rappellera longtemps cette journée qui se termina sur l'avenue Kingsway où une masse humaine alignée sur une longueur de 2 milles ovationna les visiteurs royaux. Cette manifestation de loyauté démontre bien la force des liens qui unissent les diverses parties
du Commonwealth britannique. À Baker, Saskatchewan, des foules massées sur des estrades construites de chaque côté de la voie ferrée saluent avec enthousiasme leur majesté au moment du passage du convoi qui reprend ensuite peu à peu sa vitesse. Jeunes et vieux, ces gens sont heureux car ils ont pu voir le roi et la reine. Le train laisse déjà Baker derrière lui, mais la manifestation dure encore. Le panorama de la prairie parsemé de villes et de villages s'immense. Voici Saskatoon qui, à son tour, est honoré d'une visite de 2 heures. La cérémonie débute par le déploiement d'un immense drapeau humain, d'où sortent des chants d'une heureuse préparation. Sa Majesté cause pendant quelques instants avec le maire. Puis la petite Anne McEachern fait une gracieuse révérence au souverain et présente un bouquet à la reine. À la fin de la visite, leur majesté signe le livre d'or de la ville, livre qui sera gardé précieusement par les autorités de Saskatoon. Il se fait tard quand le train royal atteint Melville, mais la population de cette ville, normalement de 4000 âmes, s'est élevée à 60 000 aujourd'hui. Vive le roi! Vive la reine! Le train royal traverse la ligne qui sépare le Manitoba de l'Ontario. À Sudbury, les mineurs ont abandonné leur travail pour venir acclamer les monarques. À la demande spéciale du roi, le groupe royal visite la mine Froud à Coppercliff. Tous revêtent l'imperméable et le casque du mineur pour descendre à une profondeur d'un demi-mille dans les entrailles de la terre. Guelph. La chaleur intense et les longues heures d'attente n'ont pu diminuer la ferveur de la démonstration. Cette ville splendide fait un accueil magnifique à ses hôtes qui abandonnent toute contrainte, gagnent tous les cœurs. Kitchener. Le train royal semble se frayer un passage à travers la masse humaine. On réussit à mettre au roi et à la reine d'atteindre une estrade au-dessus des têtes de la multitude. Avant de continuer sa route vers l'est, le roi signe le livre d'or de la ville. L'accueil a été bref, car le temps presse, mais cette foule gardera de la visite royale un impérissable souvenir. Stratford. La foule la plus considérable qu'on ait jamais vue dans cette ville accourt de 4 comtés pour acclamer leur majesté. Foyers et des visiteurs de marque leur sont présentés. 75 000 personnes suivent attentivement tout ce qui se passe sur l'estrade. Windsor, le jour est tombé, mais l'enthousiasme de la foule n'en est pas moins grand au moment où le maire David Crawl présente une adresse enrubannée. Des vivas assourdissants retentissent pendant que le train emporte le couple royal. London. Cette ville a suspendu sa grande activité industrielle pour souhaiter la bienvenue au roi et à la reine du Canada. La place de la gare est remplie de citoyens qui crient leur joie. En présence de toute la population, le commandant en chef passe en revue une garde d'honneur composée du Royal Canadian Regiment, corps militaire canadien, qui fut formé au début du 19e siècle pour remplacer les garnisons anglaises dans notre pays. La vague d'acclamations suit le train dans sa course vers l'est. Pour les jeunes et pour les vieux, c'est jour de fête. C'est un événement dont chacun se souviendra toute sa vie. Brantford. Les descendants des premiers occupants de cette région accourent en foule pour saluer leur grand chef blanc et lui manifester leur royauté. Toutefois, ces pittoresques peaux rouges se confondent dans la multitude qui entoure l'estrade royale. La reine se mêle aux vétérans à qui elle ne veut pas manquer de dire quelques mots.
Hamilton, la deuxième ville industrielle en importance de la province, salue par des vivas délirants le couple royal. Leur Majesté s'arrête à l'hôtel de ville pour une réception civique où la population d'Hamilton leur manifeste son affection par des tonnerres de bravo. Sainte-Catherine, de tous les vergers des jardins du Canada, accourent les fruiticulteurs avec leurs familles pour saluer les visiteurs et leur souhaiter bon voyage. Les chutes Niagara, le mugissement de la fameuse cataracte, se confond aujourd'hui avec les cris joyeux de la foule. Avec ce bruyant salut, le Canada dit au revoir à ses hôtes, car de l'autre côté de la frontière, sont fort impatients de les accueillir. La visite des souverains à Washington est un événement historique. La présentation de leur majesté au président Roosevelt et à Madame Roosevelt fait époque en politique internationale. C'est la première fois qu'un président américain et un roi d'Angleterre se tiennent côte à côte sur le sol américain. Et l'importance de cette minute impose silence aux spectateurs. Constitution Avenue à Washington revêt un aspect international en cette chaude journée de juin, car l'Union Jack et le drapeau étoilé flottent l'un à côté de l'autre. Des foules serrées bordent l'avenue et leurs acclamations attestent éloquemment leur sympathie pour les souverains. La reine exprime son appréciation pendant que résonnent les bravos de la multitude dont l'écho sera mondial. À New York, les visiteurs sont escortés sur l'autostrade en route vers l'exposition universelle. Les attractions et divertissements se joignent aux manifestations de l'art et de la science. Mais le spectacle le plus populaire est la présence du souverain et de la reine qui attire au Constitution Mall une foule enthousiaste. Le transport est assuré par un petit train qui arrête au pavillon canadien. Là se tient une garde d'honneur formée d'anciens combattants anglais. L'honorable W.D. Aylor, ministre du Commerce du Canada, accueille leur majesté et les guide à travers le pavillon. À la frontière, où il n'y a ni garde ni canon, le convoi royal traverse sans même s'y arrêter. À Newcastle, Nouveau-Brunswick, commence l'accueil des provinces maritimes. Les provinces de l'Est deviennent le centre de l'Empire. Il y a de nombreuses révérences et le même accueil gaile qui a marqué toutes les étapes de ce voyage épique. Le palais législatif à Fredericton est le théâtre d'une brillante réception. Dans cette province, l'une des plus vieilles du pays et qui fait face à la mer, le loyalisme est inaltérable. L'attachement au roi et à la reine éclate partout. Bannières et légendes le proclament, un hommage intarissable jaillit du cœur de la population. Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, l'honorable A.A. Dysart, conduit le groupe royal à l'Assemblée législative. Le groupe quitte l'édifice, centre de la vie politique de la province. Le Nouveau-Brunswick a joué un rôle important dans les affaires du pays. Il y a 160 ans, il a servi de refuge aux loyalistes venus des colonies américaines. C'est toujours la patrie des loyalistes et d'anciens combattants qui ont fait le don de leur jeunesse. Et la reine regarde ce spectacle avec admiration. Le maire de Saint-Jean, M. McLaren, accompagné de son épouse, souhaite la bienvenue au souverain au nom de la ville. Au cours d'un bref arrêt de 2 heures, le roi et la reine et leur escorte visitent ce fameux port de l'Atlantique.
torrentielle tombe sur le cap Tormentan au Nouveau-Brunswick, mais elle ne diminue pas l'ardeur de l'accueil. La multitude est aussi grande et son enthousiasme aussi spontané que s'il faisait beau soleil. Sa Majesté se rend sans parapluie à l'automobile royale, mais on abrite la reine contre la pluie diluvienne. Le roi et la reine montent à bord d'un destroyer pour franchir le détroit de Northumberland qui sépare la terre ferme de l'île du Prince-Édouard. Il y a foule pour leur souhaiter bon voyage. Au-delà de ce large détroit s'étend la petite province, l'île surnommée le Jardin du Golfe. Ça en est la capitale. D'antiques cannes y rappellent les batailles d'autrefois. Mais aujourd'hui, le vaisseau amiral de la flotte canadienne de l'Atlantique est chargé d'une mission pacifique, celle de conduire les souverains dans la plus petite des provinces canadiennes. Et à la vue du roi, de bruyantes acclamations couvrent le bruit des vagues qui se brisent sur le rivage. Il y a de l'eau dans les rues de Charlottetown, mais les averses n'arrêtent pas la manifestation et n'atténuent pas l'enthousiasme au passage du roi. La multitude pousse acclamation sur acclamation à l'apparition de ses idoles sur le balcon du Parlement provincial où il y a tant d'années on vit les auteurs de notre Constitution. C'est entre ces murs historiques que fut conçu en 1864 le projet d'une confédération des colonies britanniques de l'Amérique du Nord, d'où naquit un Canada uni. Un garden party devait avoir lieu chez le lieutenant-gouverneur, mais la température se rit des desseins humains. Leur Majesté atténue le désappointement en faisant une brève apparition. Les quais suffisent à peine à contenir la foule accourue pour souhaiter bon voyage au marin royal et à sa souriante compagne. Halifax est le terme de la longue tournée triomphale. Le convoi royal achève son trajetage varié à travers le continent. Les souverains quittent leur demeure mobile qui les a abrités au cours du mois mémorable qui vient de s'écouler. La garde d'honneur présente les armes et pour la dernière fois, le roi et la reine prennent place dans une automobile sur le sol de l'Amérique. Derrière eux, il y a 10 000 milles de territoire canadien et plus de 11 millions de Canadiens qui les acclament. Mais en avant, sur la route du retour, se profilent déjà les souvenirs inoubliables du voyage, trésor des années à venir. Des milliers de personnes occupent le parc de la citadelle pour souhaiter au roi et à la reine du Canada une joyeuse bienvenue qu'assombrit seulement la mélancolie d'un adieu. Un spectacle historique reconstitue l'histoire de Jacques Ier et de Sir William Alexander et de la fondation de la Nouvelle-Écosse. Les jardins publics d'Halifax sont l'un des parcs les plus attrayants du pays. Le premier ministre provincial, l'honorable Angus L. Macdonald, est le guide des souverains à travers ses allées pittoresques. Leur Majesté s'intéresse aux trois jumelles Salterio, orgueil de la Nouvelle-Écosse. Marian Anne, Mary Louise et Mary Elizabeth. Un nouveau genre de salut au souverain termine la réception. Et maintenant, l'adieu final, marqué d'une note voilée de tristesse. À l'Empress of Britain, le vaisseau royal, s'élève un cri de tous les cœurs. Bon voyage. La visite royale est terminée. D'un océan à l'autre, le Canada a acclamé son roi et sa reine. D'un océan à l'autre, se sont succédées les joyeuses manifestations et le départ assombrit un peu les scènes auxquelles la présence de leur majesté avait donné tant d'éclat. Les cœurs serrent à mesure que le grand paquebot blanc s'éloigne et que s'élargit l'espace entre le navire et le rivage. Et comme s'allongent les ans, une époque de l'histoire canadienne se termine avec la fin du jour.
le bruit et les acclamations s'éteignent. Mais dans tous les cœurs, retentit à jamais ce cri vibrant : Dieu bénisse la reine, Dieu sauve le roi.